la Commission européenne et le Conseil de l'Europe ont souhaité que les pays qui le souhaitaient ouvrent la vérification des rapports de développement durable à d'autres acteurs que les seules sociétés d'audit. Et donc aussi bien les experts comptables que les organismes de certification que je représente vont pouvoir ainsi offrir leurs services, nous appelons d'assurance limitée ou d'assurance raisonnable auprès des entreprises. Alors la CSRD, parce que c'est une nouvelle exigence réglementaire qui aura beaucoup d'incidence sur les entreprises, sur la transition d'une façon générale, et je crois qu'il faut l'expliquer et la réexpliquer de nombreuses fois, nombreuses craintes autour de l'application de cette réglementation, beaucoup d'opportunités qu'il faut révéler. Et je crois que notre message ici est rassurer, accompagner et accélérer le mouvement autour de cette réglementation CSRD et aussi des normes ESRS qui sont associées. Comme dans toute transition, toute nouveauté, il y a trois grandes phases. La formation, pour être sûr que les acteurs sont préparés à ce changement. L'accompagnement, pour les aider avec un complément d'expertise et leur faire gagner du temps. Et enfin, la vérification du résultat. Parce qu'on est tous sur une courbe d'apprentissage. Et donc voilà, c'est tout ça que nous recherchons et Giverny s'y prête particulièrement bien.